et mes rêves s'accrochent à tes phalanges. Je t'aime trop fort, ça te dérange. Et mes rêves se brisent sur tes phalanges. Je t'aime trop fort, mon ange. Un matin, je me suis réveillé. J'étais en vie. C'est beau d'être en vie. La nuit avait été longue, mais je me réveillais enfin. Des rêves fous plein la tête. Il y avait mon homme en blanc. Mon homme en blanc, il est tellement grand. Mon homme en blanc, il est... en vacances. En vacances. Et sans moi. Mon homme en blanc, même quand il n'est pas là, il pense à moi. Il m'accompagne. Cette histoire, c'est la nôtre. Un soir, je ne dormais pas. Il devait être 22 h. Je me suis mis à mon bureau. Je regarde l'heure, il était 7 h. Mon texte était là. Je parle de mon histoire. À 19 ans, j'ai la chance de déjà avoir une histoire. Il y a 4 ans de cela, un neurochirurgien découvre que j'ai une tumeur au cerveau à un stade très avancé et qu'il faut opérer au plus vite. J'ai peur ici. Les alarmes sonnent fort. Toujours plus fort. Tout le temps. Les Muriel courent et elles me laissent. Je me retrouve tout seul. J'étais si content d'avoir de la compagnie. Alors je pense. Me voilà lancé dans une folle aventure. 19 heures d'opération, des suites opératoires pour le moins chaotiques, méningite, pneumonie, arrêt respiratoire, ulcère et bla bla bla. Et moi j'en retiens une histoire merveilleuse. Une histoire pleine de vie, d'amour. Et de folie aussi. Les Muriel m'ont parlé d'un kiné. Je ne sais pas ce qu'elles veulent que je fasse avec un kiné. Je ne suis franchement pas en état de voir un kiné. Elles m'ont pesé l'autre jour. 47 kilos. 47 kilos tout mouillé. Ben, je vous l'avais dit, moi. Là, je n'ai vraiment rien d'un sportif. La vie, c'est dingue. La vie, c'est fou. La vie, ça te flingue. La vie, ça te cloue. À toute berzingue, tu votes du bleu. Le plus important, c'est d'être pas mort. Hommage à mon ange avec une parenthèse S à la fin de ange. Car je ne vois pas mon ange comme un chérubin qui danserait le popotin à l'air autour d'un grand lustre dans un palais. Mais vraiment comme un ensemble de personnes qui a formé mon tout. C'est l'amour qui fait vivre. Au-delà de tout. L'amour fait vivre. Au-delà de la mort. L'amour fait vivre. Comment une personne pourrait ne plus être si tu l'aimes? Si tu l'aimes toujours, cette personne restera. Je parle de sujets un peu tabous, la maladie, la vieillesse, la mort même. Des sujets dont on ne parle pas. Et pourtant, c'est des sujets qui font aussi complètement partie de la vie.
et je pense que ça ne sert à rien de fermer les yeux. Petite annonce, à moi déjà, pas de réponse. Et il est revenu. J'étais tellement content. Mon homme en blanc, il était là, plus blanc que jamais. Non, je n'ai pas d'action chez Myrlène. Maintenant, tout avait changé. Je serais juste un peu plus pareil, mais différent. Je pense que ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. On l'expérimente en vrai. On grandit.